Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be all. Parti à 7h le matin, direction New York. On a passé le pont qui est dernier à moi. Pas ce qu'on a du pont, je le voyais à l'ancrage, j'étais super beau pendant la nuit, il était tout éliminé. Ça a pris quasiment 50 minutes de se rendre, de partir de l'ancrage, d'aller en dessous du pont. Oui, un bateau c'est lent. La marée est descendante, fait que ça nous aide, ça nous pousse vers New York. Pendant encore environ 2 heures de temps, on va être correct. Après ça, la marée va commencer à monter puis ça va nous retarder. Il y a quand même le vent qui nous pousse en face, fait que c'est so-so les résultats. Mais le but c'est qu'on avance. Après ça, je vais retrouver un bel petit ancrage à New York. Je ne sais pas combien de temps on va rester là. Je vais peut-être descendre un petit peu plus bas que New York après une nuit. Et je vais, j'appelle ça Sandy Hook, faire la préparation pour la traversée en mer. Et ça va être vraiment ça le but. La petite qu'on commence à faire la mer, ça commence à être sérieux parce qu'on commence à faire des hops. Ça veut dire qu'on s'en va de plus en plus au sud. Ça, c'est le but de ce voyage-là. I'm Ronix. Bye. J'ai dû faire de la paperasse bureaucratique. Je suis allé aux douanes, je suis allé me reporter et en même temps leur dire que je quittais le port, pas les États-Unis, mais le port, c'est pour ça que ça fonctionne. Je voulais aussi, j'aurais mieux avoir un cruising license que d'avoir un permit to proceed. Permit to proceed, c'est un permis pour rentrer, t'as un permis pour sortir, puis il faut que tu te rapportes à chaque port de même, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Cruising license te permet juste de pouvoir te promener. De juste faire un appel puis te rapporter ou dire ce que tu es rendu à ton trajet. Au début, l'officier n'a pas voulu m'en donner un. Ça a donné qu'après avoir rempli mes papiers, c'est un autre officier qui est sorti. Puis lui, il dit bon, on va donner ton cruising license. Puis moi, je ne l'ai pas estimé. Il a rempli les papiers, il me l'a donné. Je suis parti très heureux. Fait qu'un matin, je suis parti pour Sandy Hook, faire ma traversée. Je vous dis qu'en partant de la Statue de la Liberté, là, il y a beaucoup de trafic, mais il y a des bateaux cargo, la garde côtière, la police, il y a beaucoup de bateaux, des ferries qui transportent du monde. Eux, ils roulent très vite et ils sont très gros. Ça fait beaucoup d'actions, beaucoup de choses à vérifier, il faut avoir les yeux tout autour de la tête. Je pense que c'est mieux de ne pas passer justement vers les bouées, parce que c'est les gros bateaux transporteurs qui passent là, donc on est mieux de se promener un peu aux côtés des bouées. Je m'en vais à Sandy Hook, je m'en vais préparer pour ma traversée, attendre un peu de météo et aussi faire ma préparation. J'ai quelques affaires avant de faire la traversée. Ici, ça donne un peu un avant-goût, mais c'est tout voir de très loin. La baie est très grande, ça c'est ouvert à la mer là-bas. Mais ça va être très intéressant, puis j'ai hâte de faire ce challenge de faire cette traversée-là.
Je viens d'arriver à Sandy Hook. Il n'y a pas un chat ici. Je me suis ancré à la première pointe. Je ne sais pas si c'est la plus protégée. J'ai essayé de regarder les autres avec les longues vues, puis ils n'ont pas l'air plus protégés qu'elle. Fait que j'ai décidé de me prendre la première sur le bord parce que plus vite de partir, moins de temps perdu, bon, à l'eau. Je vais peut-être explorer un déni, fait qu'il est quand même 10h30, il est de bonne heure. Je vais avoir le temps de profiter un peu de l'endroit puis commencer mes travaux. Je vais faire un petit ravitaillement à Atlantic Highlands Marina. Je suis parti de mon petit ancrage qui était vraiment beau hier. C'est un beau petit ancrage, un petit coin de plage. Ça bougeait pas mal. Je suis venu ici, il y a comme un gros brise-vague, un mur de pierre qui brise les vagues, mais c'est beaucoup plus tranquille. J'avais l'intention de partir demain pour la mer. Demain, c'est une fenêtre météo qui est très tranquille. Pour ma première sortie, je sais que ce ne sera pas trop rock'n'roll, mais le désavantage là-dedans, c'est qu'il n'y a pas vraiment de voile à faire. Fait que là, je suis allé chercher du fuel. J'ai rempli du fuel. Je suis allé faire une petite épicerie. Je suis allé chercher une canisse d'eau. Je vais voir peut-être de partir aujourd'hui à la place. C'est pas mal de camp. À partir dans l'après-midi vers 3h. Là, je pense qu'il est 2h30. Il ne reste plus grand temps. Mais je partirais plus tôt. À la place de partir demain, je partirai aujourd'hui. Puis avec ça, ben, j'arriverai à peu près à 3h demain dans l'après-midi. Il y a l'air d'avoir plus une belle météo de vent cette nuit. Puis plus tard un peu, fait que je pourrais peut-être sortir la voile et économiser du diesel. Fait que ça reste à voir, mais je pense que je vais faire le saut, puis je vais le faire. Il me reste encore quelques petites affaires à préparer. Il va être monter le déni, c'est sûr, sécuriser le déni. J'aurais aimé ça pour finir de brancher mon AIS, j'aurais pas le temps. C'est pas grave, je le ferai en m'en allant. Mais pour l'instant, je vais arriver au bateau, dépacter mon épicerie vite, strapper le déni. Puis je vais réévaluer après ça la fenêtre météo. Ma femme elle regarde ça pour être sûr que ça va bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vent partout ici. Là, fait que ça va être une sortie facile, pas trop stressante. Relaxante un peu. C'est un peu ça le plan pour tout. Je fonce sur l'USCA, puis je finis une réparation de dernière minute, toujours. C'est comme ça qu'on marche, 100 000 à l'heure, les pieds au fond. Ça y est, c'est fait. J'ai fait ma navigation de nuit. Comme cela, ça fait 21 heures. Il me reste environ 1 heure avant que j'arrive. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre de rentrer dans la baie, de laisser ancrer, mais c'est environ 22 heures que ça a pris. J'ai pas filmé durant la nuit. J'étais bien occupé de vérifier ce qui se passait alentour de moi. M'habituer à la navigation de mer et de nuit en même temps. Même si j'aurais filmé, on n'aurait pas vu grand chose parce qu'il faisait très noir. Il y a un côté qu'on voyait l'humidité de la ville, puis l'autre côté c'était super noir. J'ai resté tout alentour 5000 nautiques de la côte. Il était un bout de temps rendu à Atlantic City. C'était vraiment bizarre parce que tu vois la pointe qui sort, toutes les grosses bâtisses, les gratte-ciels qui sont toutes illuminées. T'as l'impression que c'est dans le milieu de la mer parce que tu vois pas la terre parce que la terre est comme égale à l'océan. Ça faisait vraiment bizarre les aspects. Là, il y avait comme un, pas un brouillard, mais on dirait que les nuages sont égaux à la mer. C'est vraiment spécial. Ça a apparu sur la caméra, là, mais c'était spécial de rentrer ici.